son institut en 1817, le père Marcellin Champagnat lui a donné une portée missionnaire et apostolique. Il disait à ses frères, « Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues. » C'est pourquoi il n'a pas hésité, ainsi que ses successeurs, à répondre aux demandes sollicitées par les différentes congrégations et par plusieurs autorités ecclésiales à travers le monde entier. Ainsi, à trois reprises, vont se succéder des frères permettant ainsi d'agir en faveur de l'apostolat au Proche-Orient et tout particulièrement au Liban. En 1868, cinq frères d'abord et trois autres l'année suivante furent envoyés pour aider les pères jésuites au séminaire collège de Résil et à leur collège de Beyrouth. Mais au bout de 7 ans, la guerre franco-allemande entraîna leur retrait en 1875. Plus tard, en 1895, des frères furent envoyés de nouveau au Liban, 5 chez les pères lazaristes à Antoula, et l'année d'après, 5 autres chez les pères jésuites à Beyrouth. En 1898, les frères prennent en charge une école primaire dans des locaux appartenant à des particuliers à Jonier. En 1900, ils sont chargés des écoles à Amchi, à Ashout et à Bagdad. En 1903, quelques frères sont sollicités de collaborer au séminaire patriarcal des Maronites à Kfar Hay et au séminaire arménien catholique à Bzomar. Ils sont également sollicités pour diriger des écoles à Mishmish et à Baskenta. Et cette même année, ils ont inauguré leur nouveau collège du Sacré-Cœur à Jounieh, de même que leur future maison provinciale Notre-Dame du Liban à Amchit. En 1904, diverses communautés demandent l'aide des frères, la communauté maronite au séminaire patriarcal de Roumieh et les pères jésuites à Bikfaya et à Saïda dans leur école primaire. Les frères prennent la responsabilité de plusieurs écoles dans différentes régions, à Batroun, à Hadas, à Deir el-Komal, à Beit Shabab et à Zahli. En 1908, les frères ouvrent leur école Notre-Dame de Lourdes à Jbeil. En 1914, les Turcs chassent les étrangers. Les frères sont obligés de s'exiler en Italie, à Béraud, près de Turin. En 1920, 20 frères seulement ont pu revenir d'Europe. Ils choisissent de ne rouvrir que 9 écoles, en Syrie, Alep et Damas, et au Liban, Batroun, Amchit, Jbeil, Jounieh, Deir el-Komal, Saïda et Zahli. En 1939, les frères au Liban et en Syrie sont au nombre de 90. La Seconde Guerre mondiale les ramène à 40. C'est pourquoi les frères ont dû se retirer définitivement de Batroun en 1952 et de Deir el-Komal en 1954. L'année 1961 a connu le transfert du collège Saint-Louis de Saïda Armeilé sous le nom de Notre-Dame de Fatima. Mais en 1985, beaucoup de chrétiens quittent cette région et le collège d'Armeilé est occupé par des miliciens qui le transforme en caserne jusqu'en 1994. En 1966, le collège du Sacré-Cœur de Jounieh est transféré à Dikel Mahdeh sous le nom de Champville ou Ville de Champagnat.